Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lémi Coupaillot aujourd'hui, et ben voilà, tout simplement, il est juste là dans l'arbre. Je savais qu'il y en avait un, je m'étais spoilé, je savais qu'il y en avait un qui était dans l'arbre, mais je ne savais pas lequel. Maintenant je sais que c'est ce connard. Qu'est-ce qui t'a fait grimper jusqu'ici, l'ami? Tu as... Comment? Tu veux parler des brides abattues? Tu les connais? Oh, la troupe s'est reformée. Ah oui, ça me fait super plaisir, mais il y a quelque chose que je dois faire à tout prix. Et tant que je n'aurai pas fini, je ne pourrai pas rejoindre les brides abattues. C'est un peu dangereux de rester ici, descendant, et je te parlerai de l'incident. Donc l'incident, une sombre histoire de champ de fleurs qui prend feu. Comme tu peux le voir, tout a cramé ici, j'y suis peut-être pour quelque chose. Ça va être un peu long à expliquer, vois-tu, j'ai une amie qui s'appelle Bai. Bah ! Elle m'a dit qu'elle voulait voir un arbre qui brille en vrai, et moi je lui ai promis que je lui en montrerais un, mais ça a brillé, et voilà, et ça a fait feu, et j'ai voulu faire plaisir, mais... Dis-lui chaud de la sérénité. On en a au moins... Je sais qu'on en a au moins une de l'usure de la sérénité, mais 10. Ah. Non, merde, je voulais appuyer sur le ou trouver des lucioles. Bah oui, effectivement, ça la nuit. Par contre, il y en a plein dans la forêt au nord d'ici. C'est pas où le nord, déjà. D'accord, bon, faut attendre la nuit. Et le nord, en plus, il est là-bas, donc... C'est quoi le truc qu'on va faire, au pire, c'est... Ah bah oui, c'est vrai, faut gagner un point. Ma bite, mon cul, ma couille. Eh ben, on va prendre... Oh, allez, on va prendre mon cul. Pour une fois. Pour une fois, on va jouer avec mon cul. Non. Comment ça, un grand cheval blanc? Plus on trouve 10, c'est chiant. Du coup, le truc qu'on va faire, c'est ça et ça. Comme ça, déjà, on se met en discrétion. Donc, il m'a dit dans la forêt au nord. Ah mais au pire non, le truc que je peux faire c'est hop, déjà on reste comme ça. Et après on va utiliser bah, une bouffe discrète. Hein. Ah il y a Coltine là-haut. Bah Coltine c'est pas pour être méchant avec lui mais on s'en bat les couilles de sa gueule hein, pour l'instant. Oh putain. Merde. Fils de... Mais bordel! Mais putain, ta mère la violeuse là, oh! Bah oui, et eux, c'est que maintenant que leurs pouvoirs veulent bien s'activer. Hein.
Non, ça, on s'en branle. Ok, on en a 5. Allez, plus que 3 à voir et on est tranquille. Ok, bon, allez, ça et putain, il est où ce connard de silex? Putain, on en a plein. Oh les pattes. Oh putain, je vais me les faire. Mais comment ça, on peut plus faire de feu de camp nous-mêmes? Non mais sérieux, c'est quoi ce bordel là-haut? Et merde. Ah, c'est bon, ils sont là-bas, les vrais. Allez, on va même en prendre d'autres au cas où, pour être tranquille. Attendez, on va gagner un peu de thunes. Putain, on a tout pris. Let's go. Bon, c'était un peu de la merde quand même. Bon, allez, maintenant qu'on les a, on va enfin pouvoir donner toutes les merdes aux gamins. Putain, il était temps. Putain, il était temps quand même. T'es où, gamin? Allez, prends tes merdes.
Il ne vous reste plus qu'à accompagner Bai jusqu'à lui de nuit près de l'arbre qui brille. D'accord, mais il est où l'arbre qui brille? Parce que là, il n'y en a aucun. Hein. À moins que je sois vraiment un connard d'aveugle, mais là... Il est où la gamine? Ah. Ce jeu, je vais l'égorger à mort. Ne voit-ce qu'accompagner Bai jusqu'à lui de nuit près de l'arbre. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les enculer et les tuer en même temps. Ta gueule, toi. Ah, il est là, l'arbre. Allez, connard. Bon, moi, faut que je prépare l'arbre. Je compte sur toi pour accompagner Bai jusqu'ici à la nuit tombée. Allez, peut-être qu'avec de la chance, en faisant ça, ça va passer. N'est-ce pas le jeu? Tu vas pas être un fils de pute quand même, hein? Elle est où cette petite conne? Ah. Oh, bonsoir, il fait nuit. Tu me suis? J'ai fini mon arbre, il ne reste plus qu'à... Bah elle est là mon frère. Qu'est-ce que... Hii ! Tout ça pour une grande fée, hein, quand même. Hein. C'est pour dire à quel point ça me brise encore plus les couilles que ça ne l'est déjà. Si c'était juste une quête secondaire normale, ça passerait. Là, c'est pour avoir une fée. Je préférais largement quand les grandes fées, on devait leur donner des rubis, malgré que ça faisait mal au cul. Ouais, c'est trop beau, encore plus celui de mon livre d'images. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Merci, monsieur. Tu ne peux pas savoir comme ça me rend heureuse. Heureuse, elle a dit qu'elle était heureuse. Et Bai a dit qu'elle était heureuse, elle l'a dit. Ah, je suis trop content, j'ai réussi, j'ai envie de lui donner le sourire. Ah oh. Bon, bah, faut que j'y aille, hein, à plus. Enfin, putain. Enfin, putain. Sanctuaire tout mou. Eh, au moins ça a tenu, hein. Oh, tiens, mais je te reconnais, public, regarde ou plutôt écoute, Fluo, notre joueur de flûte traversière est revenu. Dire que Fluo, lui, une belle histoire d'amour. Oh, il a mis un heure, c'est pour quand. Et enfin bref, avec le son joué de la flûte de Fluo, les brides abattues ont retrouvé leur joie de vivre. Je suis si heureux que je ne peux pas m'arrêter de pleurer.
Allez, la grande fée connard. Ah, j'ai grimpé tant bien que mal jusqu'ici, mais avec tous ces bruits, le cheval ne peut pas passer. Et comme je l'ai forcé à gravir un chemin aussi accidenté, le débridé et qui est comme un membre de notre troupe a encore été endommagé. Non. Allez, on va prendre Epona. Merde, non, c'est vrai qu'il n'y a rien avec Epona, bah oui. Bon, on va reprendre mon cul alors. Bah oui. Bah oui, je suis con. Epona, on peut pas la tirer. Ah, qu'est-ce qu'elle est conne. Ta gueule. Où as-tu mis mon cheval, fils de pute? Ah, il est là. Ça va alors. On va tenter, hein. Oui, je vais vous conduire. Bon, par contre, j'avoue que j'ai aucune idée de comment les conduire là, parce que ah, ça va être un sacré bordel. Trop lourd. Trop lourd à porter. Mais nique ta mère la pute, toi! Casse ta race, là! Aïe. Bon, ça me dit d'arrêter. Ok, bon, on va refaire. Il n'y a pas de roue. Mais je fais comment? Comment je fais s'il n'y a pas de putain de roue? Ah si.
Non. Ah, connard de cheval, éloigne-toi un peu, merde! Putain, c'est... C'est pire qu'une énigme dans un temple, là, ce qui vient de se passer, c'est affreux. Bon, par contre, j'avoue que je n'ai aucune idée de comment faire. Wesh les monstres. Ah, ça va être chaud. Ouais, bah je comprends. Bah ouais, bah, le jeu a décidé d'être un fils de viol, et bah voilà. Et bah voilà. Oula, bah putain, je pense que la dernière grande fée, je vais vraiment le faire hors vidéo. Hein. Ah, sincèrement, je vais vraiment le faire hors vidéo, la dernière grande fée. Parce que sinon, ça va me casser les couilles d'une... Bah, comme maintenant, hein, ça va me briser les couilles comme maintenant. Allez, venez les consanguins. Allez. Ah, lui, on va devoir s'en occuper après. Enfin, je m'en occuperai tout seul en vidéo, comme d'hab. Allez, un petit effort. Ah merde, mauvais côté en plus. On va devoir la jouer comme ça. Allez, le cheval, arrête de faire ton fils de pute, là! Oh putain, je déteste ma vie.
peux avancer plus loin, fils de pute? Ou tu veux que je t'en colle une? Ok, il veut pas. Bon, bah allez, on va la jouer comme ça, hein. Au bout d'un moment, merde. Désolé, mais merde. Hein. Oula, non. Oh, le... faire des meurtres, je vais faire des putains de meurtres le jour où j'irai au Japon. Il est où ce connard de cheval de merde là? Il est resté là-haut ce fils de pute? Donc eux ils peuvent redescendre tranquille mais pas mon cheval? On va tenter par ici. Hein. Personnellement, j'y crois pas du tout, hein, mais allez. Au point où on en est dans cette vidéo à la con, voilà. Hein. Évidemment, il y a de l'averse dans le jeu pour bien nous casser les couilles encore plus que d'habitude. Waouh! J'adore ce putain de jeu de merde. Bah oui, allez, hein! Ok, là j'ai cru qu'elle était cassée. Vous savez quoi? Le cheval, qu'il aille baiser sa mère la pute. Sincèrement, qu'il aille niquer sa mère la pute, le cheval. On va refaire mon idée de base. Comme ça. C'est vrai que c'est con, j'y ai pas pensé. Je viens d'y réfléchir, j'y ai pas pensé. Vous allez comprendre. Déjà, on va remettre ça comme c'était. Après, par quel endroit faut passer ça, j'en ai aucune putain d'idée. Sauf que le truc que j'ai pas pensé, parce que je croyais que j'en avais plus, mais en final si, apparemment on en a un. Voilà. Ta gueule. Toi aussi ta gueule, fils de pute. Bon, par contre, par quel endroit on doit passer, je sais pas. Et merde, mauvais côté. Ah bah je pouvais pas savoir. Hein. Bon bah du coup... toi dégage. Vous... Putain, le fait qu'ils ont même pas gueulé, c'est...
Enfin, pas à 100%, en tout cas, c'est un putain de miracle. Allez, je suis sûr qu'on va pas au bon endroit, mais allez, on n'a plus rien à perdre. Alors, nique sa mère, avant, non. Évidemment, de la flotte, oui, pour bien me casser les coucouilles. Mais non. Ok. Très bien. Le jeu va me casser les couilles à ce point. Ok, bah s'il en a envie. Hein. Heureusement que je vous jure que s'il y aurait tout des. Si tout aurait été détruit, sincèrement, hein, je l'aurais fait hors vidéo. Je vous le jure que je l'aurais fait hors vidéo. Là, je laisse encore un peu de chance. De toute façon, même si on se rate une toute dernière fois là, hein, j'arrête. Vraiment, là je coupe la vidéo et je le fais de mon côté. Clairement, parce que. Ça me casse juste les couilles au bout d'un moment. Je le ferai hors vidéo, comme ça je suis tranquille. Allez les fils de viol! Allez, ça a pas voulu de l'autre côté. On va tenter ici. Allez! Est-ce que ça va fonctionner cette fois? Je n'y crois plus du tout. Mais si on rate encore une fois, je coupe la vidéo. Je m'en branle, je la coupe. Osez juste m'arrêter, je vous jure que... Je vais tous vous enculer d'une manière tellement violente. Vos gueules. C'est chiant, on peut pas passer. Je vous jure que le dernier, par contre, je le fais hors vidéo. Là, ça, c'est le dernier hors vidéo. Le tout dernier, la dernière grande fée à faire, je la fais hors vidéo. Parce que ça m'a tellement cassé les couilles pour tout. Déjà, récupérer le gamin, plus faire ça, ça y est. J'en ai marre. Oh, Fiole, regarde ça, la grande fée s'est réveillée. Magnifique, elle est si belle. Encore une fois, je te remercie, blablabla. Oh. Voilà, mon pantalon est maintenant hors de danger. Je peux me présenter, blablabla. Alors... Avec mes pouvoirs, ouais. Ah, mon mignon, carrément. Ah! Intéressant. Intéressant, parce que logiquement, ça devrait nous faire augmenter notre vitesse, j'imagine. Par contre, ça... D'accord. Donc, on peut, mais il nous faut des ambres brutes. Bon, bah putain, je vais devoir... Ah, Oni Link. Du coup, il nous faut des griffes d'or drac. Je vois. Deux griffes.
Attends, mais Dark Link, c'est dommage qu'on peut pas augmenter cette tenue. Ça aurait été tellement bien. Mais bon, tant pis. Bah allez, hein, on va augmenter ces deux trucs-là. C'est les seuls qu'on a à faire, et bah allez. Allez, ça va être quoi ton animation? Un bisou magique. Littéralement. Par contre, je me rappelle pas d'avoir eu cette tenue, hein. Ça... Ou alors ça doit faire vraiment longtemps, parce que je vous jure que j'ai zéro souvenir de l'avoir eu. Non seulement zéro souvenir de l'avoir eu en vidéo, mais surtout zéro souvenir de l'avoir eu hors vidéo. Ce qui est encore pire du coup. Voilà. Quoi? Ah! Bah ouais, tant que tu peux, hein, fais-le ma sœur. Tout. Bon bah voilà, on en a enfin terminé avec cette merde. Bon, bah je pense que prochaine vidéo, on va peut-être encore une fois s'occuper un peu de peine, de faire les trucs de peine. Et éventuellement, après, au bout d'un moment, il serait éventuellement temps de enfin réellement démarrer les gorons, parce que c'est bien quand d'avoir été à leur village, mais il faut quand même les faire, parce que sinon c'est relou. Surtout que j'ai quand même envie que pour l'épisode 100 on aille ici pour récupérer l'épée de légende, parce que je m'attends à ce qu'on le trouve ici comme dans Breath of the Wild. C'est qu'une théorie, mais peut-être qu'elle est vraie. De toute façon, dans tous les cas, faut venir ici dans tous les cas pour voir l'arbre Mojo, donc bon. Donc ouais. Épisode, enfin même avant l'épisode 100, faut venir ici. Hein. Je peux vous jurer que même si les gorons ne l'ont pas encore fait d'ici l'épisode 100, je m'en branle. Épisode 95, on s'occupe d'ici. Je m'en bats les couilles. Bref, du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce c'était les Mic ou pas. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde. Et toi, on va s'occuper de ton cas.